Bonjour à tous, c'est Munchur, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Sekiro Shadows Die Twice, donc l'épisode 18. Alors épisode 18, celui-là il va être sacré, celui-là c'est vraiment l'épisode à pas rater parce que ça va être l'épisode où je prends ma revanche sur cet enfoiré de singe qui m'avait fait rage quitte le jeu à l'époque et j'y avais plus jamais retourné depuis. Donc là il y a quelque chose de magique entre nous deux là. Donc là cet épisode il va être marquant pour moi parce que ça va marquer pour moi là, vraiment la suite de Sekiro que j'avais jamais faite en fait. Donc du coup... Ça va être que du bon et il y avait cette dame aussi que j'avais pas vu la dernière fois. Alors, Vlek sourit, elle. Putain. Non, j'ai pas de riz. Voilà. Bon. Allez. Bon, je vous cache pas, j'ai très peur. Hein. Très peur comment va se passer cet épisode parce que... Il m'a vraiment mis à bout, cet enfoiré. Donc allez, c'est parti. Je me souviens même plus de ses patterns en plus, ça va être beau. Putain. Ok. La concentration va être maximale. Waouh. D'accord, ça commence bien. J'ai tellement pris de tarif là. Il monte dans sa gueule qui est passé là, mais crème. Je rêve où il m'a envoyé de la merde là. Ouais. Par contre, ouais, j'y pense. C'est un putain d'animal, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mais ça, je l'avais pas compris à l'époque, donc du coup, ça va peut-être m'aider, du coup, ça... C'est cool. Merde. Putain de merde. Ah ! Putain, il m'a attrapé en plus. Quel enfoiré. Allez, bouffe. Ah, il a fait une attaque. Je l'avais pas vu venir ça. J'ai déjà plus de soins, c'est terrible. Et le truc c'est que je sais qu'il a une P2 cet enfoiré. C'est ça qui m'a fait rage quit. Oh, il a pas aimé là.
Oh! Vénère, hein. Allez, dégage. Oh, c'est quand même classe, hein. Putain. Bon, et là, vous allez voir comment le jeu est pute. Donc là, on se dit, ouais, exécution de Shinobi, yes. J'ai battu le boss, putain, c'était vraiment dur. Ah bah merde, le brouillard, il disparaît pas. C'est bizarre, pourquoi? Ah bah oui. Parce que ce jeu, c'est un jeu d'enculé. Et là, on se tape une phase que là, je connais pas trop, donc ça va être bien. Bon, je suppose qu'il faut pas aller dans la zone. Par contre, là, ouais, vu qu'il a une épée, est-ce que la parade, c'est pas mieux? J'ai pas le timing. D'accord, là, il s'en fout. Merde. Waouh. Là j'ai pris. Merde. Ah, et ça nous met de la terreur en plus. Ah ouais, c'est pas beau ça. C'est assez moche même. Faut vraiment que j'apprenne à sauter moi. L'araignée est assez grande, on peut esquiver cette merde là. Putain. Eh ben c'est compliqué, hein, je vous cache pas. Concentration est maximum. Merde. Ah la terreur, je comprends pourquoi on avait des poutres de témérité juste avant, hein. J'ai raté. Merde. Ha. Putain, il m'a démonté. Bon, j'ai une résurrection, je vais essayer de pas me soigner là pour pas perdre trop de vie, mais... Waouh. Ah d'accord. Ah putain, je me suis fait baiser quoi. Bon, à force de le parer, parfois il se casse la gueule, d'accord, c'est bon à savoir. Alors je suis pas d'accord. J'ai plus que les boulettes pour me soigner, ça va être laborieux. Autant dire que j'ai rien, hein. Clairement. Wow. Ah ok. Je pensais qu'on pouvait parer cette merde. Oh non, et là je suis mort. Bon, j'ai plus de soins. Peut-être falloir que je m'équipe de poudre de témérité, moi, parce que putain. Non, je te vois venir. Il aime bien cette attaque, en tout cas. Hein. Il l'a fait beaucoup de fois. Celle-là aussi, visiblement. Hein. Non, mais putain. Il est sérieux. Wow. Eh, y a moyen d'empêcher, hein.
Allez. Ça, c'est l'attaque qu'on veut qu'il prenne dans sa gueule. Oh putain! La vache! Quel combat de malade! C'est ouf! Oh là là! Et là, je l'enchaîne, hein. C'est très bon, là. Y a moyen. Eh, j'y crois, vraiment, hein. Je commence vraiment à y croire, putain. Eh, si je l'ai du premier coup, franchement, ça serait tellement beau. Non. C'est une blague, je l'ai eu. Du premier coup, mais... Dans ta gueule, fils de pute, va. Dans ta gueule. Vraiment. Quoi ce verre de merde? Du premier coup, putain, je suis tellement content. J'en reviens pas. Je suis choqué là. Putain, contre mes esprits. Singe gardien. Sort d'une bataille avec un ennemi rare et redoutable qui vit dans le cœur de loup. Ok, on lira la description quand j'aurai mis l'attaque en plus. Doigt fin, doigt d'une jeune femme, il peut être inséré dans la prothèse Shinobi pour devenir une prothèse. Vous voyez, retrouvé dans le ventre du singe gardien, il a été partiellement digéré. La technique de Shinobi du sifflet de doigt peut rendre les bêtes folles. D'accord. Ce doigt servait déjà précédemment à cet usage. Très bien. Putain, je l'ai enculé, quoi. Oh. Je suis tellement content, là. Vous imaginez pas. Ah, c'est ouf. Putain, en plus, le combat était excellent, quoi. J'avais pas été jusque-là dans ce combat, c'est quand il s'était relevé, il m'a tué et j'avais pas été plus loin, mais en fait, il était largement prenable, quoi. Ah, je regrette de pas avoir continué à l'époque, du coup, vous voyez. Mais bon, si je l'avais pas continué, j'aurais pas fait ce let's play avec vous, donc bon, d'un côté. Et ben, on va se reposer. Et du premier coup, quoi, vraiment, j'en reviens pas. Je vais pas m'en remettre. C'est excellent. Alors, du coup, il y avait quoi là-dedans? Ah, bah, le lotus du palais, bah, la fleur, voilà, la fameuse fleur. Fleurie dans la vallée engloutie au sein des eaux des sources, l'arôme de la fleur attire les singes femelles, ce qui explique pourquoi le singe gardien la fait pousser comme offrande à sa compagne. C'est un ingrédient de l'encens de Kuro, recherché pour rompre avec l'immortalité. D'accord. Donc c'est un des ingrédients à récupérer, il faut encore que j'ai le sabre, hein. Ah, putain de merde. Singe de merde. Y'a pas d'autre endroit où aller, par contre. Là, on pouvait vraiment jouer à chat perché dans l'arène, je m'en suis pas servi, quoi. Pff, c'est... Bon, ok. Je peux même pas remonter en arrière. Du coup, j'imagine qu'on va devoir aller dans la zone en bas, d'empoisonner. Ça va être ça le plan, à mon avis. Et du coup, bon, je m'attendais à faire une vidéo spéciale sur lui, mais bon, là, ça fait que 13 minutes, donc bon, on va continuer. Hein. Je peux vous dire allez, salut, à la prochaine. Au bout de 13 minutes, quand même, faut pas déconner. On va continuer un peu. J'ai quoi comme compétence? Ah oui, l'augmentation de l'attaque. Très important. Souvenir d'une bataille avec un ennemi rare de top, tout ce qui reste souvenir qui prouve la victoire de loup. On dit que la présence de vers est un signe que vous êtes un mort-vivant. Et une vie si longue peut être bien solitaire pour un singe de rugissement qui laisse derrière lui. Le singe gardien était peut-être le signe qu'il voulait autre chose. D'accord. Je me suis pas compris quand j'ai lu, mais c'est pas grave. Alors, il y a quoi comme compétence nouvelle? On peut encore augmenter les trousses de vie. Je pense que ça va être le prochain move, hein. Vraiment. C'est ça où j'essaie de continuer un petit peu pour voir ce qu'il y a d'autre dans cet arbre. Bon, allez, on va faire ça, voir ce qu'il y a d'autre. Compétence passive qui améliore le nombre de scènes et le taux d'apparition des objets sur les ennemis vaincus. Eh, ça peut être bien pour farmer les confettis divins, ça.
d'y penser pour affronter les spectres et compagnie. Ça peut être intéressant à surveiller. Ok, se voyager, se voyager. Ouais. Bah écoute, on va retourner là. Hein. On peut pas remonter, donc bon, on va se téléporter. Voilà, le singe de ses morts. Je l'ai démonté. Bam. Maintenant, zone de poison. Alors, est-ce qu'on peut descendre d'ici ou est-ce qu'on est obligé de passer par là où j'avais été avant? Si c'est le cas, je préfère revenir en arrière. Hein. Ça sent le plan cul, non, un peu? Ah, ça va un peu. Ok. Bonne zone de merde en perspective encore, là, j'imagine. Beaucoup de poison. Ça va être chiant. Je colle, ça va être chiant. Allez. On va essayer de ramasser un maximum d'objets sans se faire empoisonner. Le canon jaune. Ah, si on saute, ça va en fait. Bon. Écoutez. À partir de là, oui, je le répète, mais je connais plus à partir de là, j'ai pas été plus loin. Hein. Donc là, ça va vraiment être de la découverte pure et dure, hein, comme si j'avais pas fait le jeu, quoi. C'est quoi ça? C'est un singe, mais il est pas comme les autres, quoi. Il a deux épées, quoi. Viens là, toi. Bon, on t'a cassé la gueule, désolé. C'était pour ton bien. Sucre d'ongo. Oh, ça c'est une tente qui me dit quelque chose. Ouais, le marchand du pif. Alors voilà. Tu vends quoi, toi? Qu'est-ce que tu vends? Des boulettes, ouais. On en a combien, en fait? Ah, si, on en a pas tellement, en fait. Hein. Ah, toi, tu vends que des objets, d'accord. Ok. Tu vends rien d'autre. Des bourses, ouais. Mais bon, j'ai pas assez de scènes pour t'acheter des bourses, malheureusement, Coco. Gourde verte. Une gourde couverte de... Ça soigne du poison. D'accord. Bon. D'accord, on peut continuer dans cette grotte. Bon. On va en finir d'explorer cette zone quand même. On n'est pas des animaux. Ah là, ces emblèmes, toi. Alors, vous savez quoi, cette zone là, c'est un peu de la merde. Je vais m'équiper de poudre d'antidote. Y a plein d'ennemis là. Espèce de singe blanc là. Lui, il m'inspire pas confiance, hein. Je sais pas, il est. Il est pas comme les autres. Ça a l'air d'être le plan cul, un peu, hein. Je me suis fait gauler. Je sais pas par quoi. Il devait en avoir un autre planqué, sûrement. Dans le bout d'âme. Eh. Coucou-toi. Cela m'avoir vu, bon, ça m'arrange. Voir si on peut pas passer derrière pour essayer de choper au moins le ce putain de singe blanc. Tant pis si je rechope du poison, j'ai de quoi me soigner.
me vois pas, s'il te plaît. Oui. Est-ce que vous allez voir ça, les gars? Bon, ça c'est fait. Tac. Et mine de rien, je crois qu'on a déjà exploré la zone, quoi. Petite zone de poison. Petite bourse, ouais. Enfin, de mercure, très bien. Trou des nouveaux matériaux. Faudrait peut-être penser à améliorer la prothèse, parce que c'est vrai que je le fais jamais, ça. Et en fait, j'en vois pas utilité pour l'instant, donc bon. Surtout ça aussi. Très bien, bon bah écoutez, je crois qu'on a fait la zone. Hein. Tant mieux. Plus court que prévu. J'ai cru que c'était un ennemi, j'ai bugué, non c'était une branche, Munchie. C'est bon, tout va bien. Bon toi, y a pas de statue quoi. Un peu la misère, hein. Qu'est-ce que... Ah d'accord, l'ambiance elle change d'un coup, y'a plus de musique, y'a plus rien, tout va bien. J'ai... C'est quoi ça? Je me fais attaquer par des murs maintenant. Là on dirait les ennemis de Dark Souls 2. Dans le château d'Anglake, il y avait des espèces de fantômes qui sortaient des murs, là. Je pense que c'est ça. Allez, vas-y, sors encore. Que je t'explose ta gueule. Allez, casse-toi. En tout cas, il donne des XP, hein. Il donne de l'XP. Bon. Faut faire gaffe. Bon, je suppose que les confettis divins sur eux sont efficaces, mais j'ai réussi à le tuer sans, donc bon, on va essayer de les économiser, hein, c'est bon. On n'est pas des animaux. Allez, dégage. Oh, je vois un truc que j'aime pas, là. Super, notre ami le serpent est de retour. Il m'avait tellement manqué. Putain, mais c'est pas vrai, hein. Allez, vas-y, reviens. Tu donnes pas mal d'XP, toi, en plus. Sauf quand tu me mets un prank, salopard. Allez, dégage. Oh putain. Ah ouais, j'ai fait de la merde en fait, faut pas le toucher. J'espère que ça s'éteint. Ouais, ça s'éteint, c'est bon. Bon ok, faut vraiment la jouer petit sexe là. Sexman. Ta gueule, toi. T'es descendu comme ça, toi. Ça pour te faire faire un faux coup et puis que ça te baisse derrière quoi. Ah, je suis empoisonné, mais quel enfer. Ah, oh, mais putain, mais au secours, vous êtes partout. Ta gueule, toi. Ta gueule, toi. Putain, j'en ai ras le cul, vous êtes combien? Je vais me claquer
pratiquement tous mes emblèmes là, hein, pour des putains de geckos. Hein. Les ennemis nuls du jeu, qui me cassent les couilles là, visiblement. Allez, dégage-toi. Retourne d'où tu viens. Mais putain, mais c'est pas vrai. Casse-toi. Quand taper des mecs en muret, c'est pas possible. Bon. Il y a un chemin là-bas déjà. Je peux encore monter, oui. J'ai entendu un gecko. Il est où, enfoiré? Morceau magnétite. Ok. Putain. Je peux passer là? Non. Ah, il y a un truc à choper, hein. Peut-être de s'accrocher. Ouais. C'est bien ça. Merde. Bah, il faut qu'il mette là, hein. Putain. Hey, Chimonji, tiens ta gueule. Vraiment, quoi. Ok, là, je suppose que c'est la mort. Ouais, ok, on va repasser par là. Serpent de merde. Intéressant. Je pense qu'il n'y a rien. On continue. Ouais, on continue par là. Merde, 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 merde. Tac, la musique là, excellent. D'accord. J'entends des singes là, c'est quoi ce bordel? T'as la trouille, mec! Je suis désolé, Coco, mais ouais. Ouais. Ça, par contre, toi, ça présage rien de bon, ça. Hein. Après, s'il nous donne des emblèmes spirituels, je sais pas. Oh putain. Ah ouais. Putain, il fait mal en plus, bordel. Faut trouver un moyen d'esquiver, hein. Waouh, ah, on a même pas le temps de réagir quasi. Ah ouais, c'est chaud. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? J'ai pas un truc qui peut m'aider là. Les pétards, non, je pense que j'aurai jamais le temps de lui claquer ça dans la gueule. J'ai une prothèse équipée. À la rigueur. Oh, je vais tenter des trucs, hein. Non mais connard, se soigne pas. Je sais pas si c'est ça, on verra bien. Oh, oh putain. C'est passé. Je sais pas si c'était. Si, j'ai pas compris. Eh, si c'était ça, franchement, j'ai du bol, hein. Si c'était ça, j'ai vraiment du bol, quoi. Putain, j'en reviens pas. De serpent séché, le cœur d'un grand serpent qui évoque une plaque mine. Le grand serpent est le dieu de ces terres et son cœur est l'organe dans lequel son esprit réside. Sa forme évoque la plaque mine, mais c'est en fait l'organe d'un dieu et les habitants
La vallée engloutie adore les organes du grand serpent qui représente la divinité. Ok. Je sais pas à quoi ça me sert ce truc-là. Au secours, quoi, quelle angoisse. Je peux pas me barrer, y a pas. Ah, j'ai vu un gros s'accrocher. Où ça? Où ça? Où ça, monsieur l'arbitre? Y a rien derrière, non? Monsieur, ici. D'accord, donc on peut continuer par là. Confetti divin. Voilà, ça me ramène ici. C'est pas ça qu'on veut. Nous, si on veut, c'est ça. Je suis perdu. Oui, là-haut. Tac-tac. Ah, putain de merde! Ok. Ok, d'accord, bah voilà où est-ce qu'on est. C'est bon, là je reconnais la zone, oui, c'est là où il y a l'autre œil de serpent. Bon, d'accord. Putain, cette zone, on y avait été, mais quasiment au début du jeu, quoi, c'est ouf. Oh, ce level design, mais. Ça me trouvera toujours le cul, quoi. C'est un truc de fou. Excellent. Bon. Et du coup, vous savez quoi? Ben, cette zone-là, on l'explorera dans le prochain épisode. Là, ce qu'on a fait, je trouve que c'est déjà pas mal. On a passé le serpent, on a battu le singe, surtout, c'était surtout sa vidéo à lui. Donc voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, des bisous, ciao! Hey, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à commenter cette vidéo, car ton avis m'intéresse, mais en plus ça m'aide énormément pour le référencement. Si tu veux rater aucun contenu, je t'invite alors à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à me suivre sur Twitter. Allez, à très bientôt.